Bonsoir. M'entendez? Monsieur le marabout. Bonsoir, la reine Marie. Est-ce que vous m'entendez? Bon, ce message, c'est pour quelques personnes. Est-ce que vous m'entendez? C'est la troisième fois que je demande. C'est ça le problème des choisis. J'ai 15 commentaires. Je dois vous demander trois fois, est-ce que vous m'entendez? Avant que vous osiez dire oui, on t'entend. Malheureusement, beaucoup de choisis restent toujours dans la partie indisciplinée de leur vie. Et vous ne... Ouais, l'Église a négligé les choses de Dieu. L'Église a banalisé le spirituel. L'Église t'a dit que Dieu a la faveur, que non, ne t'inquiète pas. La miséricorde de Dieu. Ce qui fait que l'Église te faisait du genre, tu te dis, si je pars, je pêche, je reviens. Sérieusement, ça c'est le genre de pensée que j'avais. Non, si je pêche, je pars, je finis de pécher, je reviens, Dieu va me nettoyer, je demande pardon, je suis pardonné. L'Église a beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'enseignements erronés qu'on nous a fait passer à l'Église. Et malheureusement, c'est ça qui handicape les choisis aujourd'hui. Ce qui fait que quand vous allez vous coucher ce soir dans votre lit, vous savez que vous avez commencé à baisser. Au début, quand tu venais de découvrir les produits spirituels, tu avais ton savon, tu avais ton parfum de déblocage, tu avais tes choses nettes, nettes. Tu ne blaguais pas, tu prenais le nom, tu marchais, tu parlais. 6 mois plus tard, bon, voilà, on fait ce soir ou on ne fait pas. Elle n'a pas fait le direct, on ne fait pas. De toutes les façons, quand elle va la voir, si dans 2 semaines elle revient encore, elle commence à faire les vidéos, je vais. Donc il y a ce truc-là qui t'empêche d'être décisif. Et tu ne te disciplines pas. Tu peux aller conseiller tous tes frères. Vous les envoyez même chez moi se laver. Une femme est venue avec ses enfants, Dieu les a lavés. C'est sa soeur qui l'avait envoyée. Vous allez les conseiller. Mais vous, vous allez être moyen. Tu sais que là où tu es là, ce que tu fais n'est pas assez. On te donne un rêve la nuit. Tu te réveilles à 2h57. Tu ne veux pas prendre l'effort de te rappeler du rêve écrit dans ton téléphone. Parce que tu dis, ah, ça n'a pas d'importance. Tu as les bracelets que tu as vus. L'esprit t'a dit achète. Ah, est-ce qu'il y a même besoin de bracelets?
C'est seulement le bracelet, non? On fait quoi avec le bracelet? Le bracelet, non? C'est le bracelet, non? Ça va faire quoi? C'est le bracelet? Tu es là, tu tournes depuis. Parce que tu as vu que tu vas sortir 8 000 ou 10 000 pour acheter. 10 000. On m'avait les 10 000 là, je peux préparer. Tu vas préparer 2 jours, tu vas manger, tu vas partir aux toilettes, ça va sortir. Il y a plusieurs types. Devant moi, ici, là, j'ai le bracelet des chakras. Le bracelet, c'est le chakra. Vous connaissez le bracelet, sinon, il y a plusieurs couleurs là. Il y a l'œil de tigre dessus, il y a le rose, il y a le vert, il y a plein de couleurs de bracelet dessus. Il y a ceci. Donc ça, c'est ce que j'ai à côté devant moi. Il y a d'autres là-bas, de l'autre côté. Depuis 2 jours, notre fournisseur en miel, on n'arrive pas à le joindre. Les employés me disent qu'on a besoin de miel pour ravitailler le stock. Aujourd'hui, j'avais le téléphone, un des téléphones de l'entreprise sur moi. Je me suis rendu en ville, je devais débloquer. Et généralement, quand les gens appellent, parce que les gens appellent tellement. Cette femme en particulier, dès que ça sonne, l'esprit me dit décroche. Décroche son appel. Bonsoir. J'ai cette bouteille de miel que je dois apporter pour vous donner. Il dit, hein? Elle dit, oui, j'ai cette bouteille de miel que je dois vous donner. Quand on me dit depuis de vous apporter ça, j'ai dit qui? Elle dit, mais on m'a dit de vous apporter le miel là-bas. Il dit qui? Elle me dit, l'esprit m'a dit d'apporter le miel depuis. Qui me dit depuis 2 jours. Mais je tourne. Je lui dis que depuis 3 jours, mon staff est en train de chercher à joindre le monsieur chez qui on achète le miel, on n'arrive pas. Vous avez trop négligé ce qui concerne le spirituel. Pour vous, je ne suis qu'une fille qui parle comme ça à 22h parce qu'elle ne peut pas se coucher pour dormir chez elle. Et comme tu t'ennuies, tu n'as pas bien mangé aujourd'hui, tu veux te coucher, tu dis, ah, oh. Tu as mangé le piment, ça chauffe ton ventre, tu es encore là, tu dis, ah. Oh. Passons même sur la nourriture. Est-ce que vous savez que l'esprit vous parle depuis par rapport à ce que vous devez manger? Vous tournez comme ça là. Ceux à qui l'esprit a dit par rapport à la nourriture là, mettez ici là que moi. Honnêtement, j'ai eu des batailles spirituelles avec la nourriture. On me dit de manger plus la viande. Il dit viande is sweet. Eh, le kilishi. Le soya. Jesus. Ok, Michel. Il y a des nourritures que quand tu manges, toute cette nuit-là, les 6 prochaines heures, ça crée de la glaire dans ton corps. Bonsoir à ceux qui viennent d'arriver. Tu vois, quand tu viens de manger, tu as les flashs là, non? En anglais, ça s'appelle mucus. Mucus. Il ne s'agit pas de ne pas avoir faim, il ne s'agit pas de ne pas manger, le jeûne, il ne s'agit pas de ça. Là, on ne peut pas te dire souvent ou souvent pas. Soit on te dit mange, soit on te dit ne mange pas. On te dit souvent de ne pas manger, c'est-à-dire que souvent tu ne manges pas. Ça crée dans ton oesophage et ton estomac. Vous qui avez les mal des maux d'estomac là. Oh mon ventre, mon estomac me fait mal. Oh mon estomac. Il y a des nourritures que quand tu manges, et malheureusement la nourriture camerounaise, on prépare beaucoup, on cuit beaucoup l'aliment.
Ce qui fait que quand ça arrive dans ton plat, c'est déjà dénaturé. Et le cube alors, qui est l'élément tueur de... Ça tue ta tête, tout le cube. Oh Seigneur Jésus, le cube magique. Je crois que ça fait au moins un an que je mange plus le cube. Ce qui fait que si tu prépares quelque chose qui a le cube, tu vas me donner. Je vais savoir qu'il y a le cube dedans. Parce qu'il y a des produits chimiques. Allez juste sur Google, vous tapez les effets bénéfiques ou maléfiques du cube. Cube magie. Même ceux qui fabriquent le cube, ils ne mangent pas. Il y a ça, il y a le jambon, le saucisson. Beaucoup de produits laitiers puent là. Et si vous commencez à vous renseigner, ça c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. À un moment j'ai commencé, mais après j'ai laissé. La gastronomie spirituelle. Mon visage, mon corps est constitué de ce que je suis. Et c'est constitué de ce que je mange. Tu as remarqué personnellement? Récemment, j'étais assez souffrante. Et j'avais déjà observé ça sur moi. Et alors, moi, je me sentais tellement mal que je prenais beaucoup de piments, je mangeais. Parce que je ne voulais même plus sentir mon estomac. Tchis. Quand j'étais de mucus que ça créait dans mon corps. Quand ça fait comme ça, toute la... ça influence tes rêves. Ça influence ta paix. Et étant donné que ton estomac n'est pas en paix, toi-même tu n'es pas en paix, tu ne peux pas sentir, capter ce que l'esprit essaie de te dire. Il y a vos cheveux. Vous savez, voilà, la plupart des gens, quand, on les appelle, quand l'esprit les appelle et qu'ils acceptent l'appel, vous allez voir que leurs cheveux sont toujours bizarres. Toujours. Je vais vous dire que ma mamie me demande qu'il n'y a pas le coiffeur dans ton quartier. Non, 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 ces antennes doivent être comme ça, ça capte bien. Il y a les récepteurs dessus. Je ne veux pas les produits chimiques que vous allez mettre chaque jour pour fermer. Non, non, non. Laissez mes récepteurs. Et c'est quelque chose qui est encore très... En Europe comme en Afrique, manger... bio ou manger végétalien ou végétarien, c'est encore underrated. On voit ça mal ou bien c'est pas encore underrated en français, ça veut dire quoi? Sous-estimé, je sais pas. It's underrated. Si vous voulez comprendre, vous comprenez. Bonsoir, bonsoir. Donc, on ne considère pas la chose. J'ai des pays où je me suis installée. Je vis là-bas parfois 2-3 semaines. Je ne connais pas là où on vend la viande de bœuf. Donc, on ne peut pas te dire que je parle de... Parce que... Je suis arrivée là-bas, ils m'ont dit, coupe ça, coupe ça, coupe ça. J'ai dit, ok. Tu commences à manger les plantes, tu te connectes à la chlorophylle qui se trouve dans les plantes. Maintenant, toutes ces choses-ci, je tiens bien compte du fait que tu es une mère de 4 enfants, de 7 enfants. Oui, n'importe qui ne doit pas toucher à tes cheveux, c'est pas n'importe qui. Tu as la couronne, le chakra de ta couronne, c'est ici. Ton crown chakra, c'est sur ta tête. Le musulman, tu peux lire le psaume. Je ne sais pas vous qui avez les problèmes que nous, au moins, on ne veut pas lire le psaume là. Quelqu'un m'a dit récemment que dans le livre, dans le Coran, vous avez aussi les psaumes. Moi, je ne suis pas appelé à convertir quelqu'un au christianisme. Je ne vous oblige pas. Mais les instructions qu'on m'a données, ce qu'on m'a montré, c'est avec la Bible. Donc si en tant que musulman, si ça ne te dérange pas de lire la Bible, tu lis. Je ne sais pas ça. Tu passes sur ton téléphone, tu écris. Psaume tel, tu écris, tu cherches.
Ne pense pas que ça va te tuer. Vous avez trop relâché. Il fut une époque, tu ressens ça, tu sentais. Comme je disais tout à l'heure, tu peux être à la maison, tu as tes enfants, tu as ton mari. Bonsoir la reine Roland, comment tu vas? Tu as ton mari, tu as tes enfants. Et du jour au lendemain, tu ne peux pas arrêter totalement. Je me rappelle quand j'ai commencé à être végétalienne. C'est pour ça que j'ai perdu le goût de préparer la nourriture camerounaise. Hein. Tu peux me voir, tu restes chez moi et papa le ndolé. Tu peux me voir et reste comme ça, j'ai envie du... Non, ça ne me plaint pas moi. J'ai commencé à être végétalienne en 2017, fin 2017. Je suis tombée sur les enseignements du docteur Sebi. J'ai écouté, et ça résonnait tellement avec mon esprit. Le champignon était devenu ma viande. Je mange. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de recettes qu'on n'explore même pas. C'est là que j'ai commencé à apprécier les feuilles vertes dans leur essence même. Les feuilles vertes qu'on met au début de la cuisson au Cameroun. Moi, les feuilles vertes, je les mets à la fin de la cuisson. Et Manu, tu ne fais pas plus de 15 minutes au feu. Vraiment, I'm sorry. J'ai découvert les lentilles. Allez à Carrefour, vous demandez les lentilles. Vous allez trouver les lentilles. Je vous assure. Les lentilles. C'est comme du haricot dépulpé. Voilà le brocoli. Le chou. Le ginger. Le romarin, le thym. Le haricot, quand je le prépare, je ne fais pas frire le jazz, comment on met l'huile là. Le haricot, je peux le mettre dans une salade. Et là, tu vas commencer à comprendre que la nutrition, comme on te l'avait montré, était censée bloquer certains de ta fluidité spirituelle. Parfois, quand tu viens de manger, les heures qui suivent le repas, tu n'es pas concentré. Tu es lourd, tu es fatigué, tu es distrait. Parfois, tu veux dormir, parfois, tu veux te coucher, regarder la télé. Et ça influence même vos humeurs. Quand tu manges sain et tu manges tout ce qui est riz gris, le basilic, alors, est ouf. Je raffole du basilic. Je fais la salade avec. Je mets à la fin de la cuisson de la nourriture. Parfois, je ne peux pas manger, c'est prêt. Je sais. Je prends le basilic, je découpe, je dépose dessus. Et là, tu vas voir qu'à ta fenêtre, tu peux souvent prendre toutes ces herbes-là. Tu les déposes là-bas. Il y a une herbe là. Je vais chercher le nom. Ça ressemble au céleri, mais ce n'est pas le céleri. Il faut d'abord atteindre un niveau spirituel pour comprendre. Malheureusement, pour beaucoup d'entre vous, il faut d'abord un peu le fouet. Ma chérie, je ne mange plus le couscous au gombo. Je me rappelle quand je postais encore, ceux qui me suivent sur WhatsApp depuis au moins 2 ans. J'avais un moment où je préparais le gombo, je le fais frire. Je vous assure, je sais que vous allez penser que c'est fou. Mais je pense qu'il faut que je fasse souvent des vidéos où je montre comment j'adapte la cuisine africaine à ma façon de préparer le truc. Je fais frire le gombo. Carrément, je le découpe, j'enlève les pépins qui sont au milieu. Coriandre. Oh, ça, c'est l'épice. J'aime la coriandre. Hey! Oui! C'est très difficile d'en trouver ici. Je ne sais pas si on peut trouver le coriandre ou ici à Douala. Je ne sais pas si Carrefour en vend. Je fais souvent. Tu prends du pain complet, tu mets de l'huile d'olive dessus. Tu mets. Tu prends l'ail, tu écrases. Tu mélanges dans l'ail, tu mets du sel et de l'huile d'olive. Maintenant, tu vas couper tes tranches de pain. Tu vas les badigeonner avec... Oh my God, comment ça... Vous savez quoi? Tu badigeonnes ça avec l'ail. Tu es en train de faire du garlic bread. Tu mélanges avec l'ail et le sel que tu viens de... et l'huile d'olive. Tu mets ça au-dessus. Ah bon, Carrefour en vend. Merci beaucoup, Léna. Et là, tu peux mettre ça au four. Quand c'est presque cuit, tu prends la coriandre, tu verses au-dessus. Parfois, je fais frire quand je veux un peu manger gras. Parce qu'il faut mettre beaucoup d'huile d'olive. Parce que le pain absorbe beaucoup.
Tu verses la coriandre au-dessus. Tu croques ça. Ce truc-là a un goût. Ça a un goût un peu. Un goût. La première fois que j'ai goûté ça, j'étais en Angleterre. C'était dans une cuisine indienne. Je crois, un restaurant indien. Pour moi, c'était nouveau. Je me disais, mais c'est quoi ça? Ça ressemble au basilic, mais c'est insolent, c'est bizarre. Parfois, je prends le basilic, la tomate, je les découpe. Je mets de l'huile d'olive dessus. Je mets du sel. Achetez du sel rose. À Carrefour, un truc, ça peut être peut-être 2800 comme ça. Madame, sort avec le kilichi de cette maison. Hein. Sort avec le kilichi d'ici. Pardon, il faut demander qu'on vienne déposer ça. Je vais venir avec. Et d'avoir parlé du kilichi avec le piment, je suis fatigué. Donc, tu découpes la tomate bien rouge là. Les tomates en cerise au Cameroun sont très chères. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, ce sont les meilleures tomates pour faire la salade. Si vous pouvez, faites carrément votre potager. Faites votre petit endroit, vous grandissez vos plantes. Parfois, quand tu vas couper quelque chose dans ton jardin, tu viens mettre ça dans ton truc. Ah! Tu mets dans ta nourriture, il y a quelque chose de particulier, c'est ça, je ne sais pas. Ok, continuons. Donc, je découpe la tomate avec du basilic frais. Le basilic, je ne le découpe même pas. Hein. Je prends juste en feuille comme ça, je lance dans la nourriture. Donc, je crois que Carrefour fait du couscous gris. Je ne sais pas comment on fait pour se retrouver dans la nourriture maintenant, hein, mais parlons seulement, on parle comme ça vient. Carrefour fait du couscous complet et couscous algérien. Parce que j'aime bien le couscous algérien aussi. Des pâtes complètes. Il y a aussi un riz qui vient du nord. Mais par contre, ce riz-là est très... C'est vraiment la version un peu forte du riz complet. Le riz complet... Je vous assure, il y a 2 ans, je voulais ouvrir carrément un restaurant comme ça. Je voulais ouvrir un restaurant de cuisine saine. Parce que généralement, quand j'entre à la cuisine, je n'ai pas de menu. Je mets comme ça vient. Et à la fin, c'est toujours bon. Donc, la tomate, le basilic, ça, je peux faire. Tu peux mettre ça en accompagnement. Donc, je mets généralement un peu de sel. Le sel marron, le sel rose. Le sel rose, là, a une particularité. Le sel de l'Himalaya, ça, c'est comme si ça apporte le goût à la nourriture. Je ne sais pas. Moi, personnellement, j'ai cette impression-là. Donc, généralement, quand je prépare, au lieu de mettre le sel blanc, je mets le sel rose. Et ce sel, même quand tu le tiens dans ta main, tu vas sentir qu'il y a encore de l'énergie dessus. Ce qui fait que je sale généralement mon repas. Quand je prépare, je ne mets pas assez de sel. Et à la fin, c'est quand je mange que je verse un peu de sel dessus. Donc, la tomate avec le basilic, je mets un peu d'huile d'olive et je mets du sel. Ce sel-là. Et... ça, je peux le manger avec le riz dont je vous parle. Le riz. Ce riz, je vais m'arrêter un peu dessus. Ce riz, c'est quand je suis arrivé au Cameroun que je l'ai découvert. Parce qu'en Europe, il y avait le riz noir. Il y a un riz qui est très complet, noir comme ça. Il y a le riz qui est rouge. Il y a le riz complet qui paraît blanc, mais il est un peu marron. Donc moi, je partais carrément pour le riz noir parfois. Mais il faut vraiment que tu mettes dans une nourriture où c'est un peu... Il y a plein d'autres éléments pour que tu ne sentes pas que c'est fade. Donc, souvent, ce que je faisais, c'est quoi? Je prépare le haricot normalement. Je fais frire avec un peu d'oignon. Je découpe l'ail. L'ail, je ne l'écrase pas. Je le prends, j'appuie sur le couteau comme ça, je lance dans la nourriture. Et puis là, tu mets le ginger. J'aime bien découper le ginger dans la nourriture. Ce qui fait que quand je mange, je peux croquer. Ma façon de cuisiner est assez folle, mais à la fin, j'aime bien. Le goût de la fin est bien. Donc, quand tu prépares ce couscous-là de côté, la tomate, quand je verse la tomate, j'ai une tomate bien découpée, je ne fais pas frire longtemps. Après, je mets le haricot. Surtout quand vous préparez de cette façon, mettez beaucoup de feuilles vertes. Les feuilles vertes vont apporter le goût à la nourriture. Ce que le cube allait t'apporter là, tu mets les feuilles vertes, ça apporte tout ce goût. Et vous pouvez entraîner vos enfants à ne plus manger de la viande. Je vous assure. Et quand j'ai testé ça sur ma fille, je m'appelle en 2010, j'étais exclusivement sur ce genre de régime.
les capacités mentales de ma fille ont triplé. Elle était de 13 de moyenne à 18 de moyenne. Parce que j'avais totalement coupé tout ça. Et elle arrivait à se discipliner plus. Parce que parfois, vous voyez l'enfant rester hyperactif, il veut bouger. Déjà que chez moi, l'idée des bonbons, là, ce n'est pas mon truc. Absolument pas. Le truc qu'on prend les bonbons, on met à la maison quand l'enfant est fâché ou bien les coffres. On prend les bonbons. Like, I don't understand. Why? Quand tu donnes le bonbon à l'enfant, ça fait une montée, a peak of, une montée de glucose dans l'enfant. Ce qui fait que l'enfant va beaucoup courir. Ceux qui envoyaient leurs enfants dans mon école, je vous ai annoncé qu'on va ouvrir en décembre. Donc, les vacances de décembre, je vais prendre vos enfants pour les cours de... Je vais vraiment me lancer des cours de spiritualité. Je vais faire le spirituel avec vos enfants. Donc, on fera ça pendant 3 jours. Que vos enfants soient au Cameroun ou qu'ils soient à distance. Donc, on va commencer au Cameroun et je vais lancer aussi au Gabon. Je vais voir au Gabon si ça va. Je vais voir ceux qui vont envoyer leurs enfants. Donc, j'aimerais bien apprendre aux enfants. Donc, ce qu'on faisait dans l'école, dans mon école pendant les vacances, les enfants ne viennent pas avec le jus, pas de jus gazeux. Tu viens avec le jus gazeux, ça rentre à la maison. On apprenait aux enfants à faire leur propre smoothie. Ils prennent les fruits, ils mettent dans le truc, dans le moulinex, ils tournent, ils boivent. On leur apprenait aussi à... on avait fait du lait d'arachide, du lait de... et les bonbons, là, je ne permettais pas les bonbons. Donc, du coup, quand les enfants arrivaient, ils savaient déjà. OK, quand on arrivait chez Tata Jocelyne, non, il n'y a pas de bonbons. Du coup, on leur faisait des boissons naturelles. Il y a des fois, on faisait du jus de baobab. Il y a des fois, il y avait une jeune fille qui faisait du yaourt là-bas. Mon but, c'était d'éviter que les enfants mangent du pain au chocolat tous les jours. D'ailleurs, j'imposais que les parents payent le repas. Parce qu'on préparait sur place, que l'enfant apprenne à manger la nourriture qu'on a préparée. Et ça, c'est des petites choses que nous, on n'a pas appris. Du coup, c'est à 35 ans, 45 ans que tu dois encore t'éduquer spirituellement. Et l'éducation spirituelle ne vient pas seulement avec « oui, je suis spirituel, je prie, je jeûne ». Ta façon de manger, le sport, est-ce que les personnes que tu fréquentes, ce que tu écoutes, quand ce que tu écoutes change, tu vas voir que tes dragueurs vont me changer. Le genre d'homme qui t'intéressait avant, là, il ne va plus t'intéresser du tout. Donc, quand il va passer à toi, tu vas faire... Parce qu'il va te dire, viens pas en boîte. Je t'amène manger le porc. Tu vas dire, ah! Tu me dragues avec le porc. Ah, Seigneur Jésus. Oh my God. On vous a fait ça. Ne faites pas comme si on ne vous avait pas fait ça. On vous a dragué avec le porc. Mm-hmm. Avec le bon ginger, là, c'est ça. Le piment avec le ginger. Bonsoir, Armel. Arène Hollande. Non, on t'a pas dragué avec le porc. Tu le vois, il a un petit ventre comme ça devant. Donc, du coup, comme je reviens sur ce que je disais, quand tu commences à accepter ta spiritualité, il y a des choses que tu dois totalement arrêter. Tu sais, chez les Blancs, hein, ça sont des choses que vous allez trouver beaucoup de gens. Tu vas peut-être voir même des supermarchés où on vend. Il y a des supermarchés bio. Tu vas voir des restaurants, on fait la cuisine végétalienne. C'est rare que mon père m'a laissé sortir. Ya, tu escaladais. Hey, Hollande, comment tu veux mentir? Toi, là, comme je te vois aujourd'hui, là, je suis sûr que tu escaladais. Faut dire ta vérité, la vraie vérité. Pas la vérité que parce que tu crois que ta soeur te regarde là. Tu escaladais. Non, il peut même pas croire si je me dis que tu escaladais. Donc, mais c'est quelque chose que... La spiritualité, c'est quelque chose que... En tout lieu, dans tout pays, si tu fais, ça va marcher. Vous le croyez peut-être pas, même si vous êtes à Bafoussam, il y a des gens qui mangent sain à Bafoussam. Et quand tu commences à manger sain, tu vas voir que l'avocat, les trucs comme l'avocat, ça va devenir ton meilleur ami. Ouh, l'avocat. L'avocat. Jesus. Avocat. Moi, c'est les repas que j'aime souvent manger. Je prends l'avocat, je pars avec la patate.
Il fait bouillir la patate, je pêche l'avocat et mange moi. Voilà mon repas, hein. Je fais boire l'eau. Pas de viande, pas de... Non. Donc, je sais que c'est des choses que de... Moi, personnellement, ça m'a pris du temps pour que je me décide. Et veux-tu à draguer avec le pain à rico? Eh, hey, Seigneur Jésus, pardon, ne me fais pas rire. Ouais, Seigneur, je suis une note un peu plus sérieuse. Vous allez remarquer que vous avez sûrement fait du yo-yo, c'est-à-dire on et off. Tu viens, tu tentes, après tu arrêtes. Tu commences, après tu laisses. Tu commences, après tu laisses. Il y en a parmi vous, vous savez que vous devez arrêter certaines choses. Écoute, arrête, non. Pourquoi vous aimez aussi jouer? Pourquoi vous aimez jouer avec votre spiritualité comme ça? Arrête, non. Effectivement, les interdits, ce n'est même pas des interdits, c'est des choses qu'on devait te montrer quand tu étais petit. Imagine un peu, tu accouches un enfant. L'enfant ne met jamais la viande dans sa bouche. L'enfant ne connaît pas le porc. Lui ne connaît pas le goût du porc. Parce que sa mère a pris le soin. Et vous savez, surpris ce que vos enfants peuvent accepter. Bon, après, quand un enfant venait d'arriver au centre, quand il arrive, il est turbulent, le parent dit, ah, je donne les règles du centre. Ici, on ne mange pas ça, on ne fait pas comme ça. Ah, la mère dit que, hey, je vais faire comment pour qu'elle accepte de partir à l'école sans le Sprite ou le Coca. J'ai dit, madame, c'est comme ça. Si vous voulez qu'elle reste ici, là, pas de Sprite, pas de Coca. Deux jours plus tard, la mère n'arrive pas à reconnaître son enfant. Mais qu'est-ce que vous avez fait sur elle? Donc, quand on faisait cours de cuisine, elle est venue, elle s'est mise à la préparer comme tout le monde. Elle a participé, après elle a goûté, elle a vu son jus de carotte qu'elle a fait. Elle dit, waouh! Elle a goûté, elle a vu que c'était bon. Au lieu de prendre le coca, l'enfant a pris le jus de carotte, elle a bu. Elle a vu que c'est sucré. Et dans le combat, ce sera à la maison parce que la mère est habituée. Le coca, c'est facile. Tu as besoin de laver la carotte, prendre la machine, brancher la machine, la faire dans la machine, après laver encore la machine. C'est trop long. La spiritualité demande le travail, la discipline. C'est pour ça qu'on vous cabosse de temps en temps. Un moment, tu te sens monter. Après, tu tombes encore. Pouf! Check ce que tu as mangé hier avant, tu es là. Check, tu étais avec qui? Tu étais avec qui? Tu étais avec qui? Cherche. Parfois, tu manges pas parce que c'est facile. Je rentre, j'ai faim. Ma copine ou ma voisine a préparé. Ah, elle me donne la nourriture. Ou bien un dragueur me dit, bon voilà, on commande la pizza. On commande telle chose. C'est facile, c'est déjà là. Au lieu de partir encore à la cuisine, il fait peut-être 20 minutes pour te casser, préparer. Ok. Tu déposes devant toi, tu manges. Parce que c'est facile. Donc je venais vous rappeler, quand vous dites que je veux, il y a le travail sur ça. Fan, vous avez suivi. Donc si tu es paresseux, que tu as l'habitude que quelqu'un fasse toujours tout pour toi là, tu es mal tombé. Tu veux que dans le rêve on te parle, non? Tu veux te rappeler ce qu'on a dit, non? Mange un peu sain pendant 4 jours. Mange un peu sain. Enlève le cube de ton aliment. Donc, pas prendre tout le cube qu'il y a dans ton aliment, là, tu jettes. Le cube. Jette. Tu as commencé à voir comment... Mais attends un peu, je me rappelle de mon rêve d'hier. C'est bizarre. Généralement, il faut environ 2 jours. 2 jours maximum. Quand tu 2 jours, comme ça, au bout de 2 jours, commence à sentir comment ton tonus revient. Ta forme.
C'est pas le message que j'avais prévu initialement. Hein. Mais quand il met ma bouche, je suis là pour parler, j'attends seulement. Ce n'est pas moi qui parle, c'est ce qu'ils me disent de dire que je vous dis. Donc, ceux parmi vous qui sont dans le cours de spiritualité avec moi, répondez au questionnaire, vous m'envoyez ça inbox, s'il vous plaît. Et sachez que ce n'est pas parce que tu es inscrit dans ma formation qu'il va te garder. Moi, je vous dis, moi, il y a cash. Venez pas faire la paresse. Je dois les devoirs, vous ne faites pas. Après, vous, je vous chasse, je vous sors de mon groupe. Il me faut même moins de clients. Je vais augmenter mes prix. Comme ça, beaucoup d'entre vous allez partir. Vous allez quitter derrière moi. Vous êtes là seulement pour faire la boue, pour remplir la galerie. Ne vous décidez pas pour avancer sur vos choses. Libérez-moi la ligne. Libérez. Beaucoup d'entre vous devez être loin. Vous m'écoutez seulement parce que okay, Netflix a bugué. Il faut que je regarde un peu ce qu'elle dit. Vous ne voulez pas vous prendre au sérieux. Pour vous, la spiritualité, c'est un passe-temps. Vous attendez les situations critiques avant de vous lancer. Vous attendez qu'on vous supplie avant que vous lancez. Une amie comme ça, non. Première fois que je la consulte, je lui dis que là où tu es là, tu es une reine. Tu es une reine jusqu'à. Tu es une reine donc déjà que. Elle rit, elle. Ah oui. Un jour. Beaucoup d'entre vous, vous êtes appelés à servir. Vous allez vous tourner. Zodeline Hugo, il faut payer. Est-ce que tu as déjà payé? Si tu as déjà payé, tu écris sur WhatsApp que j'ai déjà payé. Le tout, si j'ai mis ça à 65 000 seulement, bientôt, il va monter ça à 200 000. Ou 300 000 même. Parce qu'il sent que vous n'êtes pas concentré, ça m'énerve. Je lui dis que tu as des trucs spirituels. Là où tu es là, tu as plein de pouvoirs. Tu dois faire. Elle dit non. Oh. Je dis ok. De toute façon, pas te forcer. Et le truc, c'est qu'elle voulait. Elle a amené beaucoup de ses amis chez moi. Hein. J'ai tel ami que tu dois l'aider. J'ai tel ami que tu dois l'aider. Parce que quand tu es choisi, hein, tu veux aider les gens. Dans ton cœur, tu vas même payer pour que quelqu'un vienne pour qu'on travaille sur lui. Parce que dans toi là, tu ne veux pas voir les gens souffrir. C'est pour ça qu'elle fait ce qu'elle fait. J'ai commencé à faire un désir, Seigneur. Je veux aider les gens, vraiment. Seigneur, je veux plus que les gens souffrent. Je mets le Facebook, je parle, je crie. Ouvrez vos yeux. Réveillez-vous. Lavez-vous avec le sel. Priez. Disciplinez-vous. Parfois, tu t'appelles. Tu t'appelles toi-même. Après, Dieu dit que, ok, elle s'appelle déjà. Bon, appelez-la. Elle s'est déjà trop appelée elle-même. Appelez-la. Et les gens qui ont le vrai appel là, ils ne font rien avec. Il n'y en a rien à faire de vos dons. Hein. Moi, j'ai le don des. Moi, il fait. Déjà, il sait que je ne suis même pas. Il n'est même pas. Il n'y a pas moi beaucoup de dons. Hein. Mais le peu que j'ai, le petit que j'ai là, le peu, je vais mettre ça au service des gens. Le peu que j'ai, je vais développer. Est-ce que tu as vu quelqu'un, tu sens que je suis plus fort que la femme, c'est. Je suis plus intelligente que lui. Ou elle. Si on me donne le poste, si je vais cartonner plus que la femme, c'est. Mais toi, tu n'es pas consistant. Un coup, tu es là. Un coup, tu n'es pas là. Un coup, tu es là. Un coup, tu n'es pas là. Tu es un lion qui ne se pointe pas pour la bataille. Ce qui fait que Dieu est obligé d'utiliser les chiens. Le chien va faire ouf, ouf. Mais le chien est là tous les jours. Allez, au pied. Il est là. On part en bataille. Chien, il est là. Le lion crâne, moi j'ai déjà tous les pouvoirs, j'ai la puissance.
il tourne son derrière comme ça et sa queue. Ça fait que zap, zap. Alerte, alerte, alerte. Où est le lion? Oh, il est parti au sauna. Oh là là. Chien, mettez-nous les chiens là-bas pour nous défendre. J'espère que ma métaphore est passée. Vous avez compris. Vous aimez vous asseoir sur vos pouvoirs. Je peux voir le futur. Et quand il rêve de quelqu'un, ça se réalise. Quand on en a rien à faire de tes dons. We don't care. Vous entendez? On n'en a rien à faire. Tu as déjà aidé qui avait ça? Vous envoyez les longs messages pour vos rêves. Je ne suis pas interpréteuse de rêves. Vous avez suivi. Parfois, vous faites des longs messages. Je dis, prends la consultation, ma chérie. Pendant ta consultation, tu vas parler de ton rêve. Tu ne veux pas, tu laisses. Vous avez suivi. Voilà. Au pire des cas, tu te réveilles, tu demandes toi-même à l'esprit. Ce que j'ai rêvé là, ça veut dire quoi? L'esprit va te dire. Vous tournez trop. Vous pensez que vous avez encore combien d'années à vivre? Tu penses que tu as encore combien d'années? Si tu te couches la nuit, c'est comme ça, là, pape, dans la, 2 heures comme ça, là, tu meurs. N'est-ce pas, c'est fini? Ok, continue alors, continue. Qu'est-ce que mon mari va dire? Qu'est-ce que ma belle-mère va dire? Qu'est-ce que ma tante va dire? Qu'est-ce que... Wow, faites-moi la liste. Continuez votre liste. Vous voyez que le sommeil me dérange, donc laissez-moi pas aussi dormir. Régulez-vous, vous dormez un peu tôt, comme ça, vous aurez le temps pour que... Parce que quand tu dors, tu fais au moins 3 heures de sommeil profond avant de rentrer dans le sommeil léger dans lequel tu peux entendre ce qu'on te dit. Donc quand tu fais l'effort de dormir tôt, genre avant 23 heures, tu as plus de chance. Donc supposons que tu dors à 23 heures, minuit, 1 heure, 2 heures, donc environ de 3 heures que tu seras apte. Bah, quand tu te couches à 1 heure, à 3 heures, tu n'auras que 2 heures de sommeil. Donc, il y aura quoi la fatigue? Vraiment, je ne suis pas les infos sur les réseaux. Hein. Omotunde, c'est qui, s'il vous plaît? Bénissons son âme. Bonsoir, la reine Fatou. Je vais très bien, super bien. Merci. Et toi, comment tu vas? Bon, passez une bonne nuit alors. Il a écrit des livres, l'égyptologue là, Camille. Je pense que j'ai vu un jour, j'ai un ami d'Allemagne qui parlait beaucoup de lui. Oui, j'avais d'ailleurs lu un de ses livres. Ouais. Mais chacun dans son couloir, hein. Je crois qu'il a fait son... Il a quand même fait des livres. J'ai vu un livre l'année passée, il parlait de lui. C'est lui qui l'avait écrit en fait. Il ouvrait beaucoup les yeux des gens. Vous savez, ce n'est pas l'âge auquel tu meurs qui importe. Est-ce que tu as fait ce que tu venais faire? Très important. Donc, pour prendre la consultation, il y a le numéro en haut de la vidéo, là. Vous prenez le numéro, vous écrivez dessus. Je veux une consultation. Voilà. Et après, tu payes ce qu'il faut payer et puis on va te programmer. Un ami nous propose le voyage pour le Maroc. Oh.
que Tania, on peut venir faire ton lavage. On a fait des lavages à Douala aujourd'hui. Donc, non, il a fait beaucoup. On me tourne, oui. Parfois, quand je reste, je vois, je dis que hey, j'ai pas encore fait beaucoup de choses. Il faut que je fasse. Il faut que. I need to hurry up. Do you understand? I need to hurry up. I need to hurry, hurry, hurry up. Donc, quand vous dormez là, vous avez les livres. Je voulais écrire le livre. Je voulais chanter la chanson. Je voulais aller dans tel pays faire les conférences. Tu es toujours là dans ton petit quartier là. Hein? D'accord. Vous passez une bonne nuit. À demain.